Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle journée que vous allez passer avec moi. Je vous ai posté hier un retour de course non attendu. Voilà, vous voyez à peine parce qu'il y a le soleil qui éblouit, il éblouit. Hein, voilà. Donc je vous ai mis un retour de course pour ceux qui ne l'ont pas été voir, allez le voir. Un retour de course non imprévu. Voilà. Alors, autant dire, je vais répondre à certaines questions que j'ai déjà répondu, mais je vais quand même répondre pour que certains puissent un peu comprendre. Bienvenue avant à tous les nouveaux qui sont arrivés à l'instant. Nous en sommes à 1084 abonnés. Hein, donc bienvenue à vous. Si vous voulez savoir un peu le contenu de ma chaîne, allez-y, allez voir toutes les vidéos. Vous comprendrez un petit peu. Il y a des menus, il y a de tout, il y a des recettes, il y a des fêtes, il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de fou rire, beaucoup de coups de gueule hein, aussi. Donc, allez-y, allez feuilleter un peu à votre aise. Donc, quand vous voyez que je sais, comme j'ai déjà dit à beaucoup de personnes, quand vous voyez que je ne vlogue pas, je vous donne l'autorisation d'aller visiter mes vidéos. Vous allez me dire, de toute façon, on n'a que ça à faire quand il n'y a rien. Je vous donne l'autorisation d'aller vieuter les vidéos que vous n'avez pas encore été voir. Voilà. Alors je vais aller voir si il y a encore des messages dans la vidéo qu'on a mis. Nous en sommes à 1080 abonnés. Donc 1085, pardon. 1085 abonnés. Donc, à bienvenue à celle qui est arrivée en plus. Oui, nous avons des messages, je le vois. Je le vois. Alors, il n'y en a pas un petit peu, hein, mes amis. Mais il n'y en a pas un petit peu. Alors, donc, ici, je vais lire tous les messages et je vous dirai par après quelques petites choses qui m'ont interpellée et le pourquoi. Je vais en parler, même que j'ai déjà répondu à certaines petites personnes. Donc là, je vais lire les messages. Vous êtes là, hein? Je vais lire vos messages et je vous dirai quoi par après. Allez, je vous reprends après. Bon, je vous reprends, mes amis. Je viens de lire tous les messages que vous m'avez mis sur la chaîne que je vous ai mis en retour de course. Je m'en suis douté que vous allez tous passer par là. À chaque moment, je m'en suis douté que vous allez passer à, écoutez-moi bien, à ceci. Alors, sachez d'une chose, que nous sommes en pleine période de quoi? Hein, en pleine période de quoi? D'horreur, fantômes, désastres, hein, de n'importe quoi. Les enfants, c'est un sort, des bonbons ou un sort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous voyez des bonbons, quand vous voyez des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner des bonbons, ou sinon nous jette un sort. Alors la petite vieille, hein, comme on dit certains, la petite vieille, la petite sorcière. Ben là, quand t'as des bonbons, pour les jaunes, donc quand les jaunes vont venir toquer dans le pot, et vous donnez un petit peu, une bonne poignée aux enfants, ils ont tout tranquille, hein. Ils ont tout tranquille. Donc, je vous dis, peut-être qu'il en aura un petit rien du tout, un petit fond comme ça pour nous, peut-être rien du tout. Qui sait? Nous, on s'en fout de ces bonbons-là, vous savez. Moi, c'est rare que je prends ces paquets-là. C'est pas pour moi, c'est pour les bonbons. C'est pour les bonbons, comme si les enfants avaient des bonbons.
Je vous vois rire derrière, je vous vois rire. Hein? Non, c'est pour les enfants, pour Halloween, car c'est rare quand j'en prends. Hein? Donc, surtout beaucoup de paquets ainsi. Donc, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants que je prends les trucs comme ça d'Halloween. Voilà. Alors, aussi, je vous ai vu, vous avez parlé niveau. Oulalalala, des jus de fruits en réclame. Que je vous avais dit qu'ils étaient gratuits avec les knick-knacks, le lait qu'ils étaient gratuits avec les Kellogg's, même certains d'entre vous m'ont dit que c'est rare de trouver du lait gratuit. Oui, autant chez nous, c'est rare. Mais je sais qu'en France, il y a beaucoup de pénuries en ce moment niveau l'essence et tout ça. Le seul problème, c'est que maintenant, tous les Français viennent ici en Belgique pour chercher de l'essence. C'est incroyable, tous les Français viennent ici en Belgique. Toutes les pompes à essence sont remplies. Les magasins sont remplis. Maintenant, c'est nous qui c'est un mec de nourriture, autant vous dire, hein? Autant vous dire. Nous, on se tape en France des fois parce que le prix est moins cher en nourriture. Et il y a les Français qui viennent aussi. On va manger quoi, nous? Bon, ça va, on arrive à trouver des endroits, hein, vous inquiétez pas pour ça. Qu'est-ce que vous faites, Minou? Le chat est en train de ramasser ses bonbons. Monsieur veut ses bonbons. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Oui, bah attends. Oui, bah attends. Voilà. On dit quoi, maman? On dit merci, mémé. Vas-y, mange, mon bébé. T'occupe pas. En plus, il vous regarde, hein? Il vous regarde, hein? Doucement. C'était bon, mon amour. Et la petite miette, là. Là, la petite miette. Monsieur, là. Mais ça, c'est bien ça. Un bisou. Au moins, vous l'avez vu un petit peu manger. Beaucoup d'entre vous disent toujours et le chat, et le chat. Ben voilà. Alors, je vous avais déjà parlé plusieurs fois que j'allais vous montrer comment moi je remplissais ma bouteille de désinfectant à moi tout seul, où je fais tout avec. Je me gêne pas. Hein? Le bidon est vide. Et je vais vous mettre là. Attendez, je vais vous mettre ah ben ouais, avec lui, pourquoi pas. Voilà. Vous êtes bien. Alors, autant vous dire, vous prenez votre bidon, hein, et vous mettez le produit que vous voulez. Alors, moi, ce que je fais, je vide premier le spray qu'il y a ici dans l'évier. Parce qu'à chaque coup, c'est toujours un produit de savon que je mets. Je mets en premier le reste de vinaigre qui est ici, j'ai assez. Je vais le mettre dedans. Voilà, vous voyez, j'ai mis mon reste de vinaigre dedans. J'ai largement assez. Ensuite,
Je prends mon bidon de vaisselle. Là aussi, j'en mets pas beaucoup. Voilà, j'ai appuyé qu'une fois. Bon, qu'est-ce que ça coule partout. Et ça fait des bulles. Vous voyez, ça a monté d'un petit peu, pas beaucoup, d'un tout petit peu. Donc c'est vraiment, j'ai appuyé une fois dessus pour que ça coule longtemps. Hein. Ensuite, maintenant ce que je fais, je vais prendre pour qu'il y ait du savon jusque en dessous de mon doigt. Dire pas du savon mais de l'eau, pardon. Voilà. Maintenant que j'ai rempli mon bidon, voilà, j'ai rempli, voyez, mon bidon d'eau avec du vinaigre et du produit de vaisselle. Maintenant, je touille un peu le tout. Et mon bidon est prêt pour nettoyer tout ce que j'ai envie de nettoyer. Si bien meubles, si bien ma cuisinière, faire mes poussières ou tout ce que vous voulez, je suis tranquille pour nettoyer tout ce que j'ai envie de nettoyer. Si bien les poubelles, tout, 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 tout. Avec ça, je nettoie tout. Parce que il y a du désinfectant qui est le vinaigre. Il y a le produit de vaisselle et il y a de l'eau. Bon, c'est vrai que des fois, il y a du savon qui reste à force, qui a un petit peu plus de savon, mais je rince ma lavette et c'est comme il n'y aurait rien dans l'armoire là-dedans, vous voyez? Donc comme ça, un petit peu, vous savez comment moi, je désinfecte dire ma maison, au lieu de toujours acheter du produit à gauche et à droite avec du désinfectant ou quoi que ce soit. Non, moi je fais mon bidon à moi toute seule. Hein. Chez moi, j'économise de l'argent, j'économise du produit et au moins le produit est dilué avec de l'eau. Il y a un peu de vinaigre pour dire de. Hein, mais au moins, tout est désinfecté. Donc c'est une petite astuce. Astuce. Beaucoup d'entre vous m'ont dit aussi, pratique le pliage des essuies. Alors sachez d'une chose que je fais ça aussi avec les sachets comme ça. Oui, les sachets ainsi, les sachets Kaba, les sachets Kaba, les gros sachets qu'on vend à Lidl, à Cora, les gros gros sachets. Pas Lidl, mais ceux-là, je vais vous montrer. Attendez. Ces gros sachets-là, comme ça. Ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc ces gros sachets-là deviennent ainsi. Et voilà. Donc je le fais aussi avec ça. Et oui, autant vous dire, je le fais aussi avec ça. Je le jette. Laisse allumer. Tu jettes? Bah oui, je jette. On m'entend même pas. Flo le sait? Ah oui, j'ai pas gardé un micro qui. Ça va, ça va, ça va. Hein. Oui, je suis en train de faire lessive. J'ai déjà mis mon lave-vaisselle en route. Donc voilà, aujourd'hui vous allez promener avec moi. On va aller faire un petit tour. En même temps, je vais balader avec vous autres parce qu'il y a des belles couleurs dans les arbres à force que la saison commence tout doucement à changer niveau le temps et tout ça. Donc je vais venir avec vous et vous allez voir toutes les couleurs des arbres qu'il y a ici le long de chez moi. C'est trop magnifique avec du jaune, du rouge, du vert, du orange, du brun, du
C'est magnifique. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, là, moi, maintenant, je ne sais même pas quelle heure il est. Ça y est, l'autre, ils font encore le singe. Ça y est, maman. C'est ça qu'il y a qui font encore, hein? Tu te démerdes avec lui, moi, je suis pas drôle. Qu'est-ce qu'il a encore dit, celui-là? Attention, madame, elle est en train de faire une vidéo. Attention, madame, elle est en train de faire une vidéo. Ouais, vas-y, va-t'en. Attends, hein. Moi, je vous reprends tantôt, il viendra avec nous. Il remarque moi, pardon, dans la balade du chemin. Je suis rentrée. J'ai été chercher mon appareil que j'avais commandé pour l'appareil que j'avais acheté, qui est ici en question. Donc, pour finir, j'ai tout ce qu'il faut pour recharger cette fameuse batterie. Donc je vais m'amuser à recharger tout ça. Voilà. Je mettrai après le chargeur. Je vais mettre ici le chargeur en route. Donc ça, j'avais acheté cet appareil-là et le chargeur qui était avec, qu'on m'avait donné, c'était pas le bon. C'était pas le bon. Donc ici, j'ai été. Je leur ai expliqué que ce qu'ils m'ont donné, ça n'allait pas, ça ne rentrait pas dedans et tout. Donc moi, je suis retournée là-bas et je leur ai expliqué. Ils ont bien vu que ça n'allait pas. Donc le chef en question m'a commandé le chargeur, dire la batterie de chargeur pour recharger... le tout en question. Donc maintenant j'ai tout. C'est tout nouveau. Hein, moi, je ne dois pas acheter. Peut-être la batterie si au cas, mais bon. Peut-être une batterie, mais au cas, pour l'instant. Je vous mets là. Moi, je pourrais faire de bonnes photos, de bonnes vidéos. Avec cet appareil-ci, je peux tout faire. Parce qu'il y a comme un appareil photo dessus. Donc, ça vaut le coup. Maintenant, on va mettre tout ça au derrière de ça. Et on va le recharger. Tu sais me dire pourquoi tu montes ton derrière à tout le monde? Il avait montré son derrière à vous. Ah, monsieur. Bon, je vais mettre ça à recharger ici, à côté de moi. Hop, ça, on tire. Ça. Allez, je tourne. J'en branche.
je mets en route. Et ça se recharge. Ouais, bon, c'était un appareil que j'avais acheté à un bon moment. Ça fait 3 mois que je l'ai. Quand je l'ai acheté, la batterie, le monsieur qui m'avait donné la batterie en question qui allait avec ça, n'allait pas dessus. Donc, même moi, c'était étonnant que ça n'allait pas dessus. Donc, autant vous dire que j'ai repris tout ça en main et j'ai été signalé au magasin que ça n'allait pas avec. Il m'a dit, vous inquiétez pas, madame, on va changer tout ça. Donc voilà, il est déjà 3h31. J'ai même pas payé le bus. Pour revenir, j'ai pas payé le bus. Pour aller, oui, hein, et pour revenir, non. Parce qu'il n'y avait pas encore une heure de décalage entre. Bon, allez, moi je vais vous laisser. Je vais manger. Je vous reprendrai pour clôturer cette vidéo. Vous aurez eu un petit aperçu de balade avec les arbres de couleur, comme je vous avais prévenu. Donc, je crois que hein, c'est vraiment pour montrer que les feuilles commencent à devenir orange comme ça et tout ça. Moi, j'adore de voir la saison. Bon, mes amis, je vous reprends depuis là tantôt. Je suis sur mon PC, je me suis reposé un tout petit peu, j'en avais besoin. Mon état en mois de santé me demandait de me reposer, donc je me suis reposé un tout petit peu. Et ça m'a fait hyperbement du bien. Il y a un bon moment que je suis debout, ne vous inquiétez pas, hein. Je me suis reposé une heure ou deux, une heure et demie que je me suis reposé, une petite heure. Donc ça m'a fait du bien. Là maintenant je suis sur mon PC, j'ai pas encore regardé s'il y avait d'autres messages y compris dedans. Ah oui, c'est vrai que bon, cette semaine-ci vous n'avez pas eu de menu. On arrive à la fin, faut bien vous mettre en tête que quand on arrive à la fin du mois, hein, bon ici j'ai pas encore barré. Mais quand on arrive presque à la fin du mois, moi je n'ai plus d'idée, voyez, niveau menu. Bon, c'est pas ça. Je pense que pour la dernière semaine qui est là, la semaine qui est là, je pense que j'aurai un peu plus d'idées niveau cuisine. Et là, je crois que pour le dimanche qui arrive de ce mois-ci, de cette semaine-ci, pardon, que je vous enverrai là le menu. Donc, le jour du fameux live en question, ça se peut que je le ferai en plein live, hein, que le menu sera fait au matin et que je vous ferai le live, dire la liste de menus en plein live, hein, qui sait. Ce serait peut-être bien qu'en même temps qu'il y ait la vidéo dessin, qui est la vidéo qui est en même temps le moment de menu. Au moins, ça peut vous intéresser pour certains, pour ceux qui veulent aller plus loin niveau le menu. Donc, voilà, peut-être que je le ferai à ce moment-là, ou quoi. Ou je ferai peut-être la vidéo à part, mais je compte mieux la faire à part, comme ça, pour ceux que ça leur intéresse, ils peuvent me le mettre en commentaire, et au moins, si, bon... Ce moment de dessin, j'aime mieux avoir particulier avec ceux qui veulent participer à ce moment-là. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouverai dimanche. Oui, c'est vrai. Dimanche, pour ceux qui veulent être là. Alors, c'est de dimanche à 19h. Entre 19h30 et 20h. C'est dans ces environs-là que je vais tout doucement me connecter. Alors, autant vous dire, je n'aurai pas de dessin, mais je vous montrerai avec la caméra qu'il n'a rien sur mon meuble. Je vais installer des trucs. Je vais essayer d'installer mon clavier qui est là. Je vais le mettre là. Comme ça, j'ai toute cette place-ci
réservé qu'à moi, où là, d'un côté, je peux essayer d'installer quelque chose pour que vous voyez via ça ici, hein. Mais bon, vous me verrez et de temps en temps, vous verrez où je vais essayer de faire quelque chose. Si pas, je vais accrocher la caméra avec les pieds que j'ai. J'ai des pieds de. J'ai mes pieds, je sais pas où ils sont. Bonne question. Bonne question. Ah ben, mes pieds sont là en dessous. Donc entre ici en dessous, vraiment là. Donc je vais prendre mes pieds. Je vais essayer d'accrocher la caméra avec. Et peut-être que ça ira mieux. Qu'elle sera là. Elle va faire. Bon, on verra bien. On verra bien. Parce que je sais encore. Où. Je vais voir ce que je vais faire. Ne vous inquiétez pas. Ça se peut qu'elle sera plus en hauteur ou quoi que ce soit. Ça se peut qu'elle sera plus là. Vous voyez, sur le meuble ici. Ou quoi. Je vais voir comment je vais faire et on verra bien. Donc moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo avec une petite balade vous aura plu. Nous on se retrouve dimanche, comme ma fille m'a dit, pour le live dessin. Ce jour-là, je ne vais pas filmer, comme ça moi je suis tranquille pour préparer le tout pour ma vidéo. Et voilà. Allez, moi je vais vous laisser. Je vais faire direct ce montage, comme ça je vous le poste tout de suite et ainsi vous pouvez aller visionner ma vidéo. Et ne dites pas qu'il n'y en a pas assez des vidéos pour l'instant. Ça s'en va et ça revient, c'est comme une populi. Non, pas comme une populi. Allez, bye bye.